on est à Paris La Défense Arena, 15 000 personnes, un peu plus de 15 000 personnes attendues. On va attendre le chiffre officiel, Stéphane, mais c'est la troisième fois que Nanterre investit la Paris La Défense Arena. Le record des trois plus grandes affluences pour un match de basket français, puisqu'il en 2023, ils avaient dépassé la barre des 16 000. En 2018, c'est la première fois, la première rencontre qui s'est tenue ici à la Défense Arena avait dépassé les 15 000. Et ce soir, ils vont réunir 15 000 personnes dans cette fantastique salle de basket. Donc bravo. Les fans sont toujours là, eux qui peuplent Maurice Thorez comme jamais. Cette saison, vu que Nanterre a gagné 11 des 12 matchs disputés à Maurice Thorez. Dans 30 minutes, le coup d'envoi de Nanterre-Monaco, le choc de la 24e journée de Betclic. Profitez de ce spectacle davantage. La Défense Arena, le premier ballon pour les Monégasques de Mike James. Desi Rodriguez qui a contrôlé le ballon en deux temps. Bien sûr. Ça ne gêne pas. Bien sûr, Desi Rodriguez. Et attention, l'interception, la belle anticipation d'Alpha Diallo qui va péter un énorme tomard. Mike James encore. Il est parti pour faire un énorme carton. Je crois qu'en première mi-temps, ce n'était pas vraiment le visage qu'on a montré depuis le mois de septembre. Alors, certainement un petit peu pris par l'atmosphère du match et tout. Fin de ce premier carton, 27-22. On a laissé Monaco marquer beaucoup de points pour Nanterre. Ce n'est pas forcément une bonne chose pour les hommes de Pascal Donadieu. Ça ressort, rebond d'Ibrahima Falfaï. Ça de l'intervalle de tour. Oh, repoussé par Jaité, ouais. Repoussé par Mam Jaité qui a joué au volet avec Juan Bégarin. Et alors il est passé. Personne pour se mettre devant. Le dunk de Benjamin Sen. Et l'attaque de l'intervalle. Avec 18 points d'avance, 54 à 36. Coup de froid pour Nanterre dans le deuxième quart-temps qui subissent. On va gagner du temps. Éviter les tuments. La médisance, la franchise, c'est étonnant. C'est quand tu mens. Parce que rien n'est facile, parce que tout est fragile, parce que tout n'est pas doux. Commençons de ta équipe, parce que c'est dur ici. C'est l'un de notre blessé, on est tous blessés. Vieux jeu, tu connais la chica. Crampe dans la pomme sans chico. Ça marchait des kilomètres, on n'a pas vendu notre âme pour un vito. Le moral en esprit, je sais plus qui m'aime. Ils le font avec un B, donc à la fin, je sais plus ce qu'ils m'aident. Je fais pas partie de ceux qui se prélassaient. Je fais partie de ceux qui se préparaient. Grosse partie sans attendre d'arrêt. Grosse partie sans regret amer. Arrêtez pas de jouer. Bougez la balle, faites-les déplacer.
essayer de défendre en prenant un petit peu plus de risque. Et le plus important, montrer ce qu'on est capable de faire. Et la dernière chose importante, ensemble. 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 Il conclut. Et voilà. Pascal parlait de faire vivre le ballon, partager la balle. On met le ballon en bas. Transfert à l'opposé. Et la Fanny accordée. Et faute technique à Mathieu Strazol. Et temps fort à Gaston Mort, ouais. Pète à câble, Sacha Obradovic. Il pète à câble. Furieux parce qu'il sait que ses joueurs ont relancé le match, ils ont remis Nanterre dans la rencontre alors qu'ils étaient à plus 20. Il y a eu 18 points d'avance, il n'y en a plus que 8 en faveur des Monégasques. Ouais, cette passe, elle est bonne. Cette passe, elle est bonne, la conclusion aussi. Ouais. Pour Rabadou Diaye. Récupéré par les Monégasques, non. Il y a des sifflets, ça va tomber dedans, je le sais. Et oui, Pascal. Et le sourire de Pascal Delayeux qui vient, ça y est. Pas facile à mettre, hein. Il y avait de l'ombre autour de Dessy Rodriguez. C'est pour égaliser, pour Amadi Ndiaye. Oh, quelle bagarre! Ils étaient 6-7 pour ce rebond. Non, je pense que c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On ne peut pas tenir Monaco comme on les a tenus et remonter de 18 points. Si on n'a pas de qualité, ça ne me paraît pas possible. Je ne peux pas stresser assez la première half. Nous devons montrer plus comme team. Plus de fight, plus de grit, comme nous avons fait dans la seconde half. Pour moi, c'est comme si nous étions deux équipes différentes ce matin. Avec ce qu'on avait produit en première mi-temps, bah, c'est difficile pour le public de nous soutenir et d'être derrière à fond comme ils ont pu l'être à la fin. À la fin, par rapport à l'état d'esprit, par rapport à la volonté de revenir, par rapport à ce qu'on a produit, bah, c'est normal que le public pousse derrière et il l'a fait de manière formidable. Mais c'est aussi lié à ce qu'on a produit sur le terrain en deuxième mi-temps. C'est definitely an exciting event and a game, playing in front of this many fans and the way the staff and the club put this together. I didn't get the chance to play for the game last year, so for me, I just try to take it all in and really just enjoy the moment out there, and it was really, really fantastic. So amazing, it's amazing. So